I now give the floor to His Excellency Aloysio Nunes, Minister for External Relations of Brazil. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, des délégations, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier tout d'abord nos collègues sud-africains de nous avoir proposé ces moments de réflexion pour marquer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. L'héritage de Mandela nous inspire, nous rassemble partout dans le monde. Et le Brésil n'y fait pas exception. Nous avons eu d'ailleurs l'honneur d'abriter ces jours-ci, dans le siège du ministère des Affaires étrangères du Brésil, à Brasilia, une exposition sur la vie de Mandela avec la coopération du musée de l'apartheid. C'est un vif témoignage de la vie de Mandela, une vie qui a été entièrement consacrée à l'affirmation de la dignité de la personne humaine en Afrique du Sud et ailleurs. Célébrer sa mémoire, la mémoire de Mandela, contribue à revivre la conviction que la paix ne peut pas être consolidée que par le dialogue et que ce dialogue est rendu possible parce que nous avons en commun par notre humanité même. Ce chemin est parfois long, mais il ne peut pas être remplacé par le recours à la violence. La société sud-africaine qui ressortait de l'apartheid était profondément blessée par ses divisions, par un manque forcé des liens entre les différents groupes qui la composaient. Mandela lui-même a été victime des cruautés de ces régimes odieux. Et il a conduit son peuple à changer cette réalité et a rendu possible la réconciliation. Son rêve a réuni les Sud-Africains autour d'un projet collectif fondé sur la démocratie, les droits de l'homme et le développement. On reconnaît chez Mandela le rôle de père fondateur d'une grande nation. On voit aussi en lui la figure type de l'homme chargé d'une mission universelle de la paix. Et on peut en extraire des leçons pour agir devant les réalités de notre temps. La tradition pacifique de mon pays, du Brésil, assure notre capacité de contribuer à la paix et à la sécurité internationale. Le Brésil est fier d'avoir été engagé au débat sur l'architecture de la consolidation de la paix menée par le secrétaire général. Nous soutenons des stratégies intégrées de prévention et règlement des conflits, ainsi que de maintien et consolidation de la paix. Nous considérons également que la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits de l'homme sont étroitement liés et se renforcent mutuellement, sans pourtant confondre les dynamiques et les compétences qui sont propres à chacun des piliers de l'Organisation des Nations Unies. La déclaration que nous adopterons aujourd'hui réaffirme la primauté de la politique et du dialogue comme le seul moyen pour bâtir une paix durable. Cette déclaration renouvelle aussi notre conviction sur la valeur
du règlement pacifique des conflits ainsi qu'au désarmement, notamment en vue de l'élimination totale de l'arme nucléaire. Pour honorer Nelson Mandela, il faut y rester pleinement engagé, malgré les difficultés que nous rencontrons dans le chemin de la paix. Mandela défiait la simple opposition entre réalisme et idéalisme quand il disait que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. C'est cet esprit que nous devons garder comme source d'inspiration. Merci de votre attention. Je remercie le ministre des Relations extérieures du Brésil pour son discours. I invite